Lors de sa conception en 1968, l'hôtel El Riad était partie intégrante du complexe touristique de Sidi Fredj. Aujourd'hui autonome et classé 4 étoiles, l'établissement, construit à la limite de la plage, distribue chambres et suites sur plusieurs niveaux de galeries ouvrant sur les jardins. Une tour qui s'apparente au minaret domine l'ensemble. Le complexe touristique de Sidi Fredj est situé à l'ouest d'Alger. Cet ensemble monumental distribue autour d'un port de plaisance de nombreux hôtels et restaurants, ainsi que des espaces de sport, de loisirs et d'artisanat. Construit sur le flanc de la petite ville saharienne de Timimoun, le superbe caravansérail El Gourara, bâti en fer à cheval, distribue ses chambres au gré de terrasses panoramiques qui surplombent la palmeraie et les immenses dunes ocre du désert rougeoyant.
Dans le respect du Tipaza parsemé de ruines romaines, cher à Albert Camus, Pouillon a imaginé un immense complexe touristique, décliné sur plusieurs points de la presqu'île. Trois entités séparées de quelques kilomètres les unes des autres et qui chacune offrent un point de vue et une orientation différents. Les vastes plages et les nombreux hôtels proposent diverses formes de tourisme très appréciées, familiales, sportives ou balnéaires. Comme les autres complexes touristiques situés près d'Alger et créés par Fernand Pouillon, Zeralda, ville balnéaire, propose différentes formes de loisirs ou d'activités, allant jusqu'à l'hôtel d'affaires de classe internationale. On y trouve également de petites villas à louer, des hôtels et des restaurants de toutes sortes, qui bordent une immense plage.